Qu'est-ce que tu as d'autre comme souvenir sur quelques messieurs trop tranquilles? Il y a une fameuse. Enfin, je te l'ai raconté, ça, je crois. C'est l'arrivée de Miu Miu, surtout, qui était. Ah oui, raconte. Qui était superbe. Miu Miu tournait, elle faisait partie des hippies du reste. Et un jour, il y avait un plan où elle arrivait. Elle débutait, c'était un de ses premiers films. Avec l'auteur, je crois, oui. Ouais. Et elle arrivait sur la place avec d'autres jeunes. Puis il y avait un arbre au milieu de la place, puis ils se mettaient autour de l'arbre. Elle arrivait, toc-toc, riante, souriante. Donc, ils s'en changeaient deux, trois trucs avec les autres. Un plan coupé, net. Voilà. Et puis deux jours après, on recevait les roches, on allait voir les roches de ce qu'on avait tourné. Ouais. Et là, on regardait les roches, justement de cette arrivée de Miu Miu. Et j'étais à côté de l'autre terre, pendant les roches, j'étais assis à côté de lui. Et on la voit arriver, toute belle, ravissante et tout. Et Georges s'est penché près de moi, il m'a dit, tu vois cette fille, ça va devenir une vedette. Elle rayonnait. Salut. Vous avez de l'eau minérale? Il m'en faut 12 bouteilles, en verre, hein, pas de plastique. Ah, ben vous n'êtes pas parti. Si, mais on n'a pas été loin. On a trouvé un coin super sauvage avec des fleurs et tout. Bah, tiens, tout près d'ici. Ah. Là, je suis sûre qu'on dérangera personne. Mm-hmm. Vous voulez pas me donner mon eau minérale? Ah, oh, si. Pardon. Vous avez du riz complet? Du riz quoi? Du riz brun. Non, on a pas de riz brun, on a que du riz blanc. Bon, bah, donnez-moi des pâtes, alors. Toi, t'avais beaucoup joué au théâtre avec elle. Beaucoup, bah, on était au Café de la Gare. Ouais. Au Café de la Gare. Tu t'entendais bien avec elle, en plus. Très bien, très très bien. Et au café. Il paraît qu'elle a toujours gardé un très bon souvenir de toi. Très très bien. Par rapport à d'autres. Vous, peut-être. Ouais. Mais avec elle, j'ai fait des trucs complètement. On faisait des pommes dessinées pour Harakiri avec Miu Miu. Ah oui, je me souviens. Ah oui, c'est vrai. Vous avez fait des romans photos. Des romans photos. Pour Harakiri. Pour Harakiri. Ah oui. C'était GB qui nous faisait faire ça. Avec GB. Et on en a fait pas mal, on a fait 3 ou 4. On se paraît bien, quoi, en faire ça. Mais j'avais remarqué quelque chose chez elle, quand on était au Café de la Gare. Elle est toute jeune, elle n'avait jamais joué. Hein. Et très très vite, de représentation en représentation, je voyais qu'elle avait le. Ça venait. Alors, je l'ai soupçonné. Je me dis, elle doit prendre des cours quelque part en douce, parce que Romain était contre les cours et contre tout ça. Alors, Romain était contre les cours d'art dramatique. Oui, 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 ce qui est une grosse bêtise. Mais je me dis, elle doit prendre des cours quelque part, parce qu'elle grimpe, elle va vite, elle comprend très très vite. Je voulais pas vous fâcher, mais nous on se méfie tous ces trucs trafiqués, pasteurisés, tout ça. Elle montait, quoi. Elle progressait, voilà. Alors, ça grimpait, ça. Grimper, ça peut avoir une connotation sexuelle, quoi. Oh ouais, toi le sexe partout, toi. Hein. Ouais. T'es un peu obsédé, j'ai remarqué. Ouais. la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Quand j'étais jeune, j'avais avoir 15-16 ans, et je voyais tous les copains, ça commençait à flirter, j'avais des copines. Moi, je rêvais bien, je rêvais d'embrasser une fille sur la bouche. Je pense que ça va être formidable, mais ça n'a pas l'air de marcher, moi, avec les filles. Et j'avais dit à mon grand-père, je dis, mais comment on fait pour séduire une fille? Mon grand-père a fait, tu fais rien. Rien du tout. Je dis, mais comment ça se passe? Il me dit, quand tu rentres dans un endroit où il y a des filles, il y a des femmes, t'inquiète pas, elles t'ont toutes vues. Et chacune, lui peut-être, oui, pourquoi pas, après tout, je dois. Ah non, surtout pas, t'es déjà jaugé. Et celle qui a décidé que ça sera toi pour elle, qu'elle choisit pour la soirée, t'inquiète pas, elle se débrouillera pour que tu l'abordes et que tu lui parles. Je dis bon, comment elles font? Ça, elles ont un truc terrible, il n'y a que les femmes qui savent faire ça. Alors donc, je ne faisais rien. Je faisais simplement le guignol, le joyeux. Et c'est vrai que j'ai jamais manqué de copines quand j'étais jeune.